Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est minuit 37, je traînais encore au bureau. J'étais sur une machine en train d'utiliser un utilitaire bien sympathique quand je me suis dit, oui, il est bien sympathique, mais tu ne l'as jamais présenté. Et là, je me suis dit, eh bien, c'est l'occasion, surtout que cet utilitaire n'est pas installé sur toutes mes machines. Et là, je suis sur une machine sur laquelle il n'est pas installé. Donc, je vais vous montrer comment l'installer et comment l'utiliser. Cet utilitaire va vous permettre d'obtenir des informations dites basiques sur vos périphériques de stockage, mais surtout des informations sur l'état de santé de vos périphériques. Et quel est-il cet utilitaire graphique? Il se nomme gSmart Control. La première chose à faire, c'est sudo apt update. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Ça pourrait être vite réglé. Je pourrais juste faire sudo apt install gSmart Control. Mais j'aime bien expliquer et décortiquer les choses. gSmart Control donc est un utilitaire graphique. Pour fonctionner, il va se baser sur un utilitaire en ligne de commande qui se nomme Smart CTL. OK? Un utilitaire en ligne de commande, un service donc qui se nomme Smart CTL, qui lui débarque. Arrive grâce à l'installation du paquet Smart Mon Tools. D'ailleurs, si je fais un petit clear et que je fais Smart CTL, la commande Smart CTL n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec sudo apt install Smart Mon Tools. Donc, si je fais un sudo apt install Smart Mon Tools, vous allez voir que j'ai bien Smart CTL d'installer et c'est tout. Pas j'ai Smart Control. Parce que Smart CTL, donc l'utilitaire en ligne de commande, peut être utilisé, ben voilà, en ligne de commande, simplement. Il n'a pas besoin de l'utilitaire graphique j'ai Smart Control. Mais par contre, pas l'inverse. J'ai Smart Control, l'utilitaire graphique, a besoin de Smart CTL qui arrive avec Smart Mon Tools, ok? Donc pour vous, vous faites sudo apt install gSmart Control et voilà, tout va arriver simplement. C'est parce qu'ici j'aime bien expliquer les choses, ok? D'ailleurs, regardez, si je fais maintenant, donc je l'ai dit, clear, que je fais Smart CTL, il me dit ouais, il est bien installé, tu peux utiliser la petite option là, tiret petit h pour avoir des infos, hein, ok? Espace tiret petit h, et voilà l'ensemble des commandes qui existent et que l'on pourrait utiliser. OK? Tiret grand V pour le numéro de version. Tiret petit pour avoir des infos. Regardez, on peut lancer des scans. On peut avoir, et bien voilà, regardez les statuts info de santé des périphériques. Je pense qu'on peut lancer voilà des tests courts, longs, ok? Mais nous, on veut faire ça grâce à un utilitaire graphique qui se nomme gSmart Control. D'ailleurs, regardez, qui n'est pas installé, hein. Si je fais Smart, il n'y a rien. Ok? Donc, on va faire sudo apt install gSmart Smart. Oh là là, g. Smart Control. Voilà. Je valide. Et là, si je vais dans le menu principal des applications que je fais Smart, regardez, j'ai Smart Control. Donc, fini l'instance terminale. Donc, j'ai Smart Control. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Oh, yeah, regardez tous les périphériques listés. Alors, et lister tous les périphériques. OK? Même pas tout. Regardez. On va aller dans préférences. Par défaut, chez vous. Tiens. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que. Ou alors, je l'avais déjà peut-être installé sur cette machine et puis désinstallé. Peut-être parce que par défaut. Voilà. Par défaut, ça devait être comme ça chez vous. OK? Donc, l'ensemble des périphériques sont listés. L'ensemble, regardez, même les périphériques de type optique. OK? Donc lecteur CD, lecteur graveur CD, DVD. On pourrait demander
voilà, à ce que ne soient listés que les périphériques compatibles Smart. Validé. Je relance un scan. Voilà, le lecteur graveur CD-DVD a disparu. Ok, donc tous les périphériques listés là sont compatibles Smart. Ok, on peut aller plus loin. On peut demander, par exemple, que le nom du périphérique soit listé en dessous de l'icône, que le numéro de série également soit listé en dessous de l'icône. Ok, drive sans fois un peu. On valide. Pourquoi je n'utilise pas CTRL-R pour relancer un scan? Tout simplement que si j'utilise la touche de raccourci CTRL-R, je coupe l'enregistrement. Parce que CTRL-R est une touche de raccourci valide pour Simple Screen Recorder. Donc moi, c'est Device et je relance un scan. Voilà. Si je mets un périphérique en surbrillance, j'ai des informations sur ce périphérique. Hein. Et regardez, ce qui est important, info basique sur l'état de santé. Ok. Ah, ok. C'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, on peut demander des infos. Regardez. Info générale. On peut voir que Smart est bien supporté, est bien activé. Ok. Je vais aller dans le deuxième onglet. Et regardez. Voilà, c'est important aussi. Fayed. Regardez, never, 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 never. Voilà. Il n'y a jamais eu de souci, peu importe la ligne. Voilà. On a des statistiques, on peut réaliser des tests. Si vous ne faites pas confiance à ceci, vous pouvez réaliser un test. Ok, on va le faire. Les logs d'erreur, les logs de température. Ok, on a un onglet qui se nomme options avancées, dans laquelle il y a des sous-menu. Ok. Alors, ne vous tracassez pas. De toute façon, s'il y a un problème ici, la ligne sera surlignée en rouge. Ce qui est génial également, c'est que si jamais si jamais il y avait une mise à jour au niveau du firmware d'un de vos périphériques de stockage, vous en seriez averti. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai déjà été averti. Une ligne surlignée en rouge m'indiquait que il était fort probable qu'un nouveau firmware pour mon disque était sorti. Et c'est vrai, j'ai été contrôlé, mais grâce au numéro de série, ben voilà, j'ai pu savoir que oui, il y avait bien un nouveau firmware pour les disques de marque, je crois que c'était Seagate ou ouais, je pense, mais le mien ne faisait pas partie des disques qui devaient être mis à jour. Voilà, grâce au nouveau firmware. Donc, ne vous tracassez pas. Ce qui est important sera surligné en rouge. Donc, si vous ne faites pas trop confiance au never, 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 pourtant, voilà, c'est cool, hein, c'est chouette, never. Never, pas de problème, pas de problème. Vous pouvez réaliser un test. Un test court, un test étendu, un test, celui-là, je sais pas c'est quoi. Test court est déjà pas mal. Regardez, j'en avais réalisé. Ouais, mais voilà, il avait déjà été installé sur cette machine. Ok. Parce que regardez, il avait déjà été installé, la preuve, il a dû retrouver les fichiers de configuration, les fichiers non supprimés, les fichiers déchets qui traînaient un peu partout, parce qu'il a su retrouver qu'il y avait déjà eu un test de réaliser. Regardez, eh bien, voilà, vous cliquez sur exécuter et il y a un test qui sera réalisé. Ok ? Voilà, utilitaire bien sympathique, G-Smart Control. Voilà, et ça marche pour tous les disques. Ok ? Attendez un peu. Regardez, je vais faire ceci. Never, never, never. Yeah. D'ailleurs, regardez. Là, check basique sur l'état de santé. Ok aussi. D'ailleurs, voilà, c'est précisé ici. Mais je peux réaliser. Ah voilà. Ici, il n'y a jamais eu de test. Je peux réaliser un test. Un test court. Voilà. Il suffit de patienter 2 minutes. C'est ce qu'on va faire. Et voilà, test complet est réalisé sans erreur. Test complété à 100%. Ben voilà, comme ça vous avez vu ce qu'était G-Smart Control qui peut être utilisé grâce à Smart CTL. Donc G-Smart Control utilitaire graphique, Smart CTL, donc utilitaire en ligne de commande.
Tung, tung. Il y a une autre machine qui est en train de booter dans le bureau. Allez, moi je vous dis bye bye à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.